Hello tout le monde, c'est Vanny. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history. Born to make history. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas une pro dans ce domaine et que je ne me qualifie pas de telle. Mais je tenais à me donner mon avis ou mes conseils sur certains points importants lorsqu'on se lance dans les séries. Pour commencer cette sorte de mini-série de vidéos, je voulais parler des personnages principaux. Souvent, il y en a un, deux, voire trois. Je trouve qu'au-dessus de ce nombre, on passe à des personnages secondaires ou à des personnages peu développés, rendant l'histoire moins bonne. Un personnage principal est un personnage qu'on suivra tout le long de son aventure. On apprendra très souvent au cours des épisodes son histoire et son caractère. De mon point de vue, il existe deux types de caractères de personnages principaux. Un simple et un complexe. Lorsqu'on débute, je trouve cela plus simple de créer un caractère simple, passant ensuite sur un caractère plus complexe quand vous vous serez approprié le personnage. Voici ce que j'appelle un caractère simple. Souvent, on ne connaît pas beaucoup sur le passé du cheval. Il est plutôt sympa, sérieux et un peu timide. Il y a aussi le cas des personnages sympas, dynamiques et très amicaux. À travers ces émotions, celles qui passeront seront plutôt simples. La joie, la tristesse, la colère. C'est une palette d'émotions peu remplie, mais plus simple à exploiter lorsqu'on débute. Les personnages possèdent un caractère simple permettant également à la personne qui regarde la série de se mettre dans la peau du personnage plus facilement. Cela ne touchera pas tout le monde, mais il est plutôt simple de se mettre dans la peau d'un personnage amical et sérieux. Pour ce qui est des caractères complexes, ce sont des personnages qui se dévoilent pendant la série. Au départ, ils sont basés sur un caractère simple pour ensuite se voir attribuer plus de traits de caractère tels que la jalousie, la dépendance à certains, ou au contraire l'indépendance, l'anxiété, qui sont des choses difficiles à intégrer. Ce caractère révèle beaucoup de défauts des personnages car il est lassant de voir un personnage parfait. Souvent, les auteurs contrent ces défauts par un lourd passé qui aura aussi tendance à mener les personnes regardant la vidéo à avoir de la pitié pour le personnage le rendant plus attachant. Prenons un exemple Spectre. Voir Esprit se faire rejeter de ses amis a causé de la pitié chez beaucoup de personnes suivant la série et les faisant s'attacher un peu à lui. Moi, à la place des autres, je l'aurais pas laissé, il a l'air sympa. Puis pour exemple d'une transformation d'un personnage au caractère simple à complexe, prenons Galopin dans Un Cœur Sauvage. Au début, Galopin est un cheval plutôt simple, dynamique, un peu égoïste, vu qu'au départ il n'était pas censé être personnage principal, mais sympathique, puisqu'il accepte que Osiris l'accompagne. Mais on se rend compte au long de la série qu'il n'a pas un passé simple. Il est orphelin et plutôt du genre solitaire. On se rend compte qu'il est plutôt fier et peut se montrer très stratégique. On voit également que c'est un personnage faux, se cachant sous sa joie en enfermant sa peine, devenant un personnage complexe. Pour résumer, de mon point de vue, un personnage principal peut facilement commencer en étant simple pour finir complexe. On en apprendra souvent sur lui et ou sur son passé au long de ses aventures. Il n'est pas rare de trouver un personnage avec un lourd passé, ce qui attirera la pitié des personnes regardant la série. Les gens auront donc plus facilement tendance à s'imaginer à la place du héros. Ainsi se termine cette première vidéo. Je ne sais pas si elle plaira, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je tiens à préciser que c'est uniquement mon avis, vous avez tout à fait le droit de vous faire le vôtre. Ce sont des conseils qui ne sont pas forcément obligés d'être utilisés. Tout est à vous de voir, donc si vous trouvez mes conseils utiles ou si vous trouvez qu'au contraire je raconte n'importe quoi. Et je serais très intéressée de savoir, d'avoir votre avis là-dessus. C'est la première vidéo de ce genre, si j'en fais une prochaine par exemple, ce serait plus sur les méchants dans les séries. Mais je veux vraiment savoir si cette vidéo vous plaît avant de me lancer vraiment dans une sorte de mini-série vidéo où je vous donne des conseils. Parce que personnellement, je ne trouve pas mes conseils très pertinents, enfin voilà. C'est juste une amie qui m'a dit que je devrais en faire une, donc bah, je teste, et voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo, si c'est le cas, tant mieux. Et on se retrouve très vite pour une... Je sais plus parler. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.